Le territoire Sauerfeld-Schallbronn, riche de ses nombreuses ressources naturelles, est depuis longtemps une terre des énergies, grâce à l'exploitation du bois et du pétrole, valant au territoire un passé industriel très réputé, unique en Europe. La communauté de communes Sauerfeld-Schallbronn est située dans le nord de l'Alsace, à quelques kilomètres de Haguenau, entre Karlsruhe et Strasbourg. Frontalière avec l'Allemagne, elle se situe au cœur de la réserve de biosphère transfrontalière formée par le parc naturel régional des Vosges du Nord et son équivalent allemand. La communauté de communes compte environ 18 000 habitants. Sa superficie est de 200 km², soit deux fois la ville de Paris. Elle a été fondée par 24 communes qui se sont unies afin de réaliser des projets de développement et d'aménagement de l'espace. Véritable outil du développement local au service des communes, la communauté de communes constitue ainsi un espace de solidarité. Pour mener à bien ce projet commun, des compétences spécifiques lui ont été transférées par les communes selon un intérêt communautaire défini avec elles. La communauté de communes dispose d'un budget annuel propre et d'une équipe de collaborateurs aux compétences très variées qui sont au service du territoire et de sa population. Elle est gouvernée par un conseil communautaire composé d'élus de toutes les communes membres. Cette assemblée décide des projets et en définit les moyens, notamment financiers. Elle a su mettre en place de nombreuses collaborations pour mener à bien de nombreux projets et obtenir un soutien financier et d'ingénierie de nos partenaires. La coopération transfrontalière prend une place particulière. Une charte de jumelage avec la collectivité allemande Verbandsgemeinde Dahn-Felsenland a été signée à Schönau en 2019 pour développer des projets communs et promouvoir le bilinguisme. Et enfin, dans un souci d'écoute et d'interaction régulière, de nombreux outils de communication sont déployés afin de mieux se faire connaître et d'expliquer les actions. En plus du journal intercommunal et du site internet, une page Facebook permet d'interagir rapidement avec ses habitants. La communauté de communes s'ouvre également à la concertation en soutenant les initiatives citoyennes. La communauté de communes s'est engagée dans la démarche TEPOS, Territoire à énergie positive, qui vise la réduction des besoins d'énergie et la protection de l'environnement. Le territoire s'est fixé l'objectif d'être autosuffisant, voire excédentaire en énergie, à l'horizon 2037. Cet engagement précurseur a été largement reconnu par différents labels et contrats. Véritable feuille de route, Destination TEPOS se décline pleinement dans le programme de développement sur lequel s'appuient aujourd'hui les actions. Quatre axes forts sont développés. L'économie touriste, la cohésion sociale, la mobilité et l'environnement et l'énergie. Le développement économique est une compétence essentielle qui vise à maintenir des activités économiques, à en créer de nouvelles et à maintenir et à créer des emplois. On peut citer par exemple les différentes zones d'activité économique intercommunale ou les dispositifs d'aide et d'accompagnement au développement des entreprises. Une attention particulière et un soutien fort sont portés dans le but de maintenir des activités économiques historiques de notre territoire. On peut notamment citer la filière bois local, le thermalisme ou encore le patrimoine pétrolier. Le développement touristique est une autre compétence phare. L'objectif est de rendre le territoire attractif, d'en valoriser les richesses et d'en promouvoir le terroir en collaboration avec tous les acteurs du secteur. La promotion du territoire est assurée par l'Office de tourisme intercommunautaire Alsace Verte, mutualisé avec trois autres communautés de communes voisines. Dans le domaine de la cohésion sociale, la communauté de communes accompagne les habitants du territoire tout au long de leur vie. Pour les plus jeunes, le territoire dispose de haltes-garderies et crèches, d'un relais parent-assistant maternel, de périscolaires répartis sur leur territoire. Le service animation propose une multitude d'activités aux jeunes de tous âges pendant les vacances scolaires. Pour les seniors, les politiques menées ont pour but de leur simplifier la vie et de répondre mieux à leurs besoins. La communauté de communes œuvre également pour le maintien des services publics de proximité. Avec la mise en place d'un espace France Service, les habitants peuvent accéder à de nombreux services et conseils proches de chez eux. Le développement et la promotion de la mobilité douce pour réduire les déplacements en voiture individuelle est une action importante du territoire.
Un réseau de plus de 40 km de pistes cyclables a été créé en 10 ans, reliant les communes entre elles et aux grands pôles de notre territoire. Consciente des enjeux que représente l'accès à Internet pour tous, la communauté de communes a adhéré au réseau d'initiatives publiques de la région Grand Est. Dans ce cadre, la fibre optique est déployée sur tout le territoire. Dans le domaine de l'environnement et de l'énergie, les actions portent sur la protection et la valorisation de nos richesses naturelles, les rivières, forêts, vergers, haies, la sauvegarde de notre patrimoine bâti par des aides à la rénovation, le développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie par des projets exemplaires et le conseil aux particuliers et aux communes, la gestion et la réduction des déchets avec le SMICTOM Nord-Alsace par l'organisation d'actions zéro déchet, la promotion du compostage, ainsi que la collecte et le traitement des ordures ménagères. La gestion de l'eau et de l'assainissement, compétence déléguée au syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. Sauer-Pechelbronn est une terre d'énergie tournée vers les familles et la valorisation active de toutes ses ressources. Elle affirme son attractivité comme pôle résidentiel et d'activité partenaire de ses voisins. Fidèle à cette vision, la communauté de communes est un outil de développement au service du territoire, de ses communes membres et de ses habitants. Nous, élus intercommunaux, œuvrons à votre écoute pour dessiner le territoire de demain, un territoire en transition, en vue d'en assurer le bien-être de ses habitants.